Politique. Après sa visite en Côte d'Ivoire, le FPI répond à Bensouda. La direction du FPI a appris par voie de presse la présence en Côte d'Ivoire de Madame Fatou Bensouda, la procureure de la CPI à l'origine du dossier Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale de La Haye. Toujours selon la presse, le vendredi 19 juillet 2013, au sortir de l'audience que lui a accordé le ministre ivoirien de la Justice, Madame Fatou Bensouda a déclaré: nous sommes ici en Côte d'Ivoire pour une mission essentiellement technique suite à la décision de 2 juges sur 3 de demander d'apporter des informations additionnelles dans l'affaire Laurent Gbagbo. Ma mission est de rencontrer toute personne qui pourrait m'appuyer et avoir plus d'informations et m'assurer que mon équipe sur place travaille dans de bonnes conditions. Même si personne ne lui a fait l'honneur d'une information officielle de la présence de la procureure de la CPI à Abidjan, la direction du FPI, qui sait que le procureur de la CPI dans le dossier contre Laurent Gbagbo devrait instruire la cour à charge et à décharge, se félicite de la présence en terre ivoirienne de Madame Fatou Bensouda. Persuadée que la procureure de la CPI recherche la vérité dans le dossier contre Laurent Gbagbo, le FPI espère sincèrement que Madame Fatou Bensouda et son équipe s'emploieront à recueillir les informations qui, chacun le sait, ne peuvent être détenues à titre exclusif par un camp, fût-il celui du gouvernement ivoirien. C'est pourquoi la direction du FPI prie Madame Fatou Bensouda de se souvenir que le procureur de la CPI n'est pas l'avocat du gouvernement ivoirien. Le bureau du procureur instruit le dossier Laurent Gbagbo à l'instar de tous les autres dossiers au nom de la CPI au bénéfice de toutes les victimes.